J'aime mal comment t'as agressé mes gens. Ma famille, vous êtes presque 500 personnes. Encouragez notre frère Thierry, toi qui étais agressé dans le taxi. Même ces 5 euros, même ces 10 euros, pardon, donnez-lui, aidez-lui. Aidez-lui, aidez Thierry, toi, pardon. Même c'est mon frère, beaucoup de courage à toi. Et comme était dit là, que on va se, je vais t'écrire. Comme était dit là. Même ces 2 euros, même ces 3 euros, même ces 5 euros, encourageons notre petit frère, il se bat au Cameroun. Il a été agressé dans le taxi. Franchement, beaucoup de courage à toi, mon frère chéri. Que le Seigneur puisse apaiser ton cœur. Je dis à ces mamans qui sont là actuellement là, qu'on encourage ce petit garçon, ce brave petit garçon qu'on appelle Thierry, toi, qu'on la croit, qu'il était agressé au Cameroun. Vous voyez comment un Cameroun agresse les enfants dans le taxi. Les enfants se battent au pays, on les agresse. Vous voyez? C'est comme ça. Même moi, j'ai été agressée. Quand je travaillais à Bonaparte, je suis rentrée un jour à 22h. Le travail était beaucoup. J'ai été agressée dans le taxi. Ils sont allés me jeter loin là-bas. De là-bas, c'est vers le rond-point 4e. Heureusement qu'ils m'ont pris, le téléphone et ils m'ont pris mon argent. Oh, Dieu merci qu'ils ne m'ont pas violé. J'ai marché à pied jusqu'à rond-point. J'ai dit que j'ai été agressée. Le bénéficiaire m'a pris, il m'a ramené à la maison. Donc, je comprends comment ça fait. Donc, beaucoup de quoi encourager Thierry, toi. Même ces 10 euros, vous l'envoyez. Thierry, toi, mets ton numéro ici. Thierry, toi, et mets ton numéro ici, j'épingle. Il peut avoir une maman qui peut t'envoyer même 20 euros, même 10 euros. Thierry, toi, envoie ton numéro, moi, je vais épingler. Donc, c'est que ça qui peut t'aider. C'est bien comme tu es venu en live, là. Vraiment, c'est chaud. Il dit que c'est chaud au pays, Thierry, toi, si tu es là, mon petit frère, mets ton numéro ici, j'épingle. S'il y a les mamans qui peuvent t'aider, qu'on t'aide à t'en sortir. Parce que là, je comprends la réunion. Mais moi, j'ai fait la réunion au Cameroun. Je comprends. Quand tu as l'argent des gens, quand tu as l'argent des gens de la réunion, hein, ils ne veulent même pas savoir si on t'a agressé ou t'as pas agressé. Ils prennent seulement ton argent. Donc, Thierry, toi, si tu es là, mon petit frère, mets ton numéro ici là. Mes gens, partageons le direct. Partageons le direct, mes gens. Mettez les cœurs. Surtout, mettez les cœurs. J'ai dit que, maman, laisse-moi. J'ai dit que le petit garçon, là, il a pleuré. Ok. Comme tu as mis ton numéro, je vais épingler. Si les gens peuvent t'envoyer quelque chose, ce sera une bonne chose. Donc, j'ai épinglé le numéro de... J'ai épinglé le numéro de Thierry, toi. S'il y a les gens qui peuvent l'encourager... Lui donner un petit truc. Lui, j'ai mis ton numéro, j'ai épinglé ton numéro. Voilà, ça, j'ai épinglé ton numéro. Et envoyez les cœurs, mes gens, vous en supplie. Envoyez les cœurs. La page se nourrit des cœurs. Je vous en supplie. Non, Thierry, toi, j'ai épinglé ton numéro. J'ai épinglé, j'ai vu, j'ai épinglé. Donc, s'il y a les gens de bonne volonté, qui connaissent ce que le Cameroun est, les gens de la Réunion ne vont pas chercher à savoir s'il a été agressé ou pas. On va demander que nous remettions notre argent. Donc, c'est son nouveau travail, ça. Donc, s'il y a les gens qui peuvent l'aider, même 5 euros, même 2 euros, même 1 euro, pendant le direct, apparemment, son Orange Money. Vous envoyez l'argent là-bas, comme ça, ils puissent donner aux gens de la Réunion. Parce que moi-même, j'ai fait la Réunion. Je sais comment c'est qu'on t'agresse avec l'argent de la Réunion, avec l'argent des gens. C'est comme ça. Donc, beaucoup de courage à toi, mon petit frère. Donc, reste en live. S'il y a les gens qui vont t'aider, ils vont t'aider. Mes gens, partageons le direct, mes gens. Partageons le direct. La dernière fois, vous savez qu'on atteint mon côté. On entre d'abord dans le vif du sujet. On entre d'abord dans les faits divers. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de Ayaka Yaka d'accueil ouvert qu'il a pris. Parce que moi aussi, on a failli pirater ma page. Parce que la patronne de celle qui dit qu'elle a ouvert à cœur ouvert. Être dans tous les directs et m'insulter que j'ai pris son accord ouvert. On va parler de ça. On va parler de des gens sur la toile qui dit que
que l'événement que Maf organise, ce n'est pas pour elle. Que c'est même presque don. Nous allons aussi parler de ça. Nous allons parler de... Parce que la dernière fois, j'ai parlé de... Du petit garçon là, le monsieur qui a Wansbet, qui va épouser notre soeur camerounaise. Les gens m'ont dit, Nicole, pourquoi tu parles de ça? C'est pas bien, tu es jalouse. Non, c'est pas question de jalousie. Peut-être si moi, peut-être moi, ma façon de parler, que vous avez mal interprété. Non, c'est pas question de jalousie, mes frères, mes chers frères et soeurs. C'était une question parce que c'était une question de vendre le rêve à la jeunesse. Ce n'est pas bon. C'était pour attirer l'attention de la jeunesse. Que toutes ces influenceuses là, vous les voyez. Quand vous croyez que non, ils sortent avec les hommes charismatiques. Mais à la fin, il faut voir le genre d'homme avec qui ils sortent. Ce n'est que les enfants. C'était une façon de sensibiliser la jeunesse. Ce n'était pas une façon que j'avais quelconque problème avec la personne. Non. Mais ma façon de parler, ça a heurté beaucoup de personnes. Non. Ce n'est pas la jalousie. Vous comprenez un peu. Bon. On va aussi parler un peu du côté là. Partageons le direct. On va aussi parler de Kimi et Arcel. J'ai fait le post l'autre hier que je vais parler de Lolo Beauté. Et ma fauchou est venue dire que Nicole, tu es en Côte d'Ivoire. Non, peut-être c'est peut-être ma façon d'écrire. Elle s'est dit que non, je vais aller clasher Lolo Beauté. Non. Je ne vais pas aller la clasher. Parce que moi, je suis dans TikTok. Je suis une abonnée de Kimi. Vous savez que ici, vous avez dit l'autre jour que ça. Mon TikTok si. Ça. TikTok m'a banni ça. Je ne peux pas faire les directs. C'est que moi, je faisais les directs pour la dénoncer. Pour dénoncer ce qui s'est passé elle est entre elle et Arcel. Mais c'est une petite fille que je la vois se battre dans ce TikTok. Donc, je ne peux. Donc, vous là. Après, je suis restée en numéro. Les gens me disent que, ouais, Nicole, pourquoi? Ma foi a bien fait de venir me parler que Nicole, c'est ma mère. Parce que quand une maman t'aime, elle vient te dire que non, ma fille, d'où tu es en train de partir là? Ce n'est pas bon. Et j'ai compris, c'est que tu m'avais vu, j'ai effacé le poste. Et je veux aussi dire à certains gens qui disent que, ouais Nicole, pourquoi quand tu n'écris pas bien? Mais vous lisez quand même. Vous lisez quand même ce que je suis en train d'écrire. C'est pas tous les jours que je peux, quand je fais un poste, je ne me prépare pas pour faire le poste. Parce que je suis occupée avec l'enfant. Donc, quand je vois quelque chose sur la toile, je viens, j'écris seulement parce que j'ai peur d'oublier. Parce que je suis avec l'enfant. C'est pour ça que vous voyez que j'écris seulement comme ça là. Donc, c'est un peu ça. Venez vous moquer de moi en commentaire. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas tout le monde qui est parti à l'école. Je vous ai toujours dit cela que moi, j'ai été à l'école au CM2. Mon père est mort quand il avait 6 ans. 6 ans. J'ai même pas bien vu mon père dans les yeux. Au CM2, ma famille n'avait pas. Si vous, tous ces gens-là, quand j'ai fait un test, vous venez vous moquer de moi sur ça. Quand j'ai fait un test, vous venez vous moquer de moi. Moi, ça me dit, moi, je prends ça là-haut. Je me suis débrouillée seule. J'ai commencé. Je suis pas née avec la queue en or. Si vous êtes parti à l'école, c'est bien beau pour vous. Mais c'est pas tout le monde qui est allé à l'école. C'est beau. J'écris à ma façon. C'est bien. Tu t'es aussi réconcilié avec la tribalisme. Non, pourquoi? Hein? J'écris à ma façon. Je préfère écrire. Je peux écrire comme je vous dis que non, Nicole, tu écris mal là. Et que vous, on vous dit que vous, que j'avais une vie merdite au pays. J'avais une vie merdite au Cameroun. Vous allez choisir quoi? Heureusement que moi, je suis partie travailler dans l'institut de beauté. Je ne restais pas au Cameroun, je ne restais pas au quartier, je ne restais pas vagabonder. Donc avec le temps, je vais m'améliorer. Tout le monde n'est pas né pour avoir le. Pour être long crayon. Tout le monde n'est pas né pour être long crayon. Vous qui venez m'insulter dans mes postes. Vous qui venez m'insulter dans mes postes. Ce n'est pas bien. Mais je prends ça. Je ne suis pas fâchée. Mais je prends ça comme un conseil. Et ça me plaît.
comprenez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Pardon, partageons le... J'ai envoyé les queues, mes gens. Donc, partageons le direct, mes gens, envoyez les queues. Partageons le direct, mes gens, envoyez les queues. Il y a Angie Caf qui dit que... Maman Angie Caf, je comprends ce que tu dis, ma mère chérie. Mais sache que... j'ai un enfant à la maison. Je n'ai pas encore un administrateur, je n'ai pas encore un modérateur de page parce que je cherche quelqu'un qui va modérer ma, qui serait modérateur de ma page. Et vous savez que ce n'est pas facile de prendre quelqu'un pour être modérateur de ta page. Tu peux prendre quelqu'un qui est modérateur de ta page, il a les mauvaises intentions. Un matin, tu te lèves et que la personne est partie avec ta page. Vous comprenez un peu, non? Non, je te comprends, maman Angie Caf. Non, je vais m'améliorer, t'inquiète. Je vais m'améliorer. Donc, je vais essayer d'aller sur... Donc, quand je me lève le matin comme ça, quand je vois peut-être, quand je me lève le matin et que je vois un truc qui me vient en tête, évidemment, j'écris parce que c'est que non, après, je peux m'oublier. Je peux oublier parce que je suis avec l'enfant à la maison. Maman Clarisse, bonjour. Comment tu vas, ma mère chérie? Bon, je partage le direct, mes gens, pardon. C'est vrai que la page est restreinte. Partageons le direct, pourquoi on est dans le vif du sujet. Marion Franc, ah. Si, le pire, c'est que Marion Franc, tout cela qui m'insulte, ils disent que, tout cela qui, ah, ça fait partie, nous t'aimons, comme tu es, nul n'est pas fait. Faut seulement t'écouter, prendre le compte de Romain construit. Non, c'est ce que moi je fais. Mais j'en partageant le direct, il y a combien de partages pour qu'on commence. Et envoyer les cœurs, mes gens. Quand on n'envoie pas les cœurs, la page est signalée jusqu'à ce n'est même pas bon. Franchement, même moi, je n'ai pas reçu la notification de ma page. Hein, parce que là. Et envoyer les cœurs, surtout les cœurs. D'ailleurs, faut aussi, j'ai pas parlé aussi du chef Brian parce que il faut aussi que je parle de ça. La fortune, c'est comment, non, ma mère? Non, pourquoi? Non, pourquoi? Non, pourquoi elle doit pleurer? Non, c'est que j'ai un problème des yeux, la fortune. La fortune, c'est pourquoi j'ai des problèmes des yeux. La fortune, j'ai des problèmes des yeux. C'est pour ça que ne pense pas que je vais pleurer pour ça. Non, non, pourquoi? Je ne peux pas pleurer pour ça. C'est Facebook. Est-ce qu'il faut même quoi? On m'a insulté même plus pire que ça ici sur Facebook, non? On m'a insulté même plus pire que ça sur Facebook. Bonjour à vous en studio. Yannick, quand même bonjour. Pardon, partageons le direct, envoyez les cœurs. Pardon, partageons le live. On entre dans le vif du schéma. Foflo, bonjour. Pourquoi on entre dans le vif du sujet? Partageons le direct. Partageons le direct, mes gens. N'oubliez pas la soirée du 9. On a atteint mes quotas. Mon quota, c'est 200 personnes. Ouais, ne demandez pas plus. Partageons le direct. On en a vu le sujet. N'oubliez pas de commander la gamme Save Beauty. La gamme de l'heure. Ça. N'oubliez pas de commander cette gamme. La gamme Save Beauty. Ça te nettoie la peau. Ça te hydrate la peau. Regardez comment ma peau est. Ça commence. La gamme qui a pris d'emploi dans les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSen. C'est grâce à vos 1 euro. Parce que si au moins, si on a tapé, on est, je dis que Poto, si on a tapé, on a tapé, Poto, maman. Parce qu'il n'y a même pas deux, il n'y a pas deux applications. Personne n'a téléchargé au moins, si c'est grave. Hein? Je vais faire comment? Les gens vont se moquer de moi. Hein? Les télébos vont se moquer de moi. Si vous voulez qu'on se moque de moi, se moquer de moi, maman. Parce que si elle n'est pas à la soirée du 9 décembre, là, ça serait grave sur Facebook. Je veux boire un djangui sur Metake. Je ne vais pas m'en rendre compte. Un djangui que je vais prendre là. Et que si vous ne voulez pas qu'elle parte à la soirée là, je vais faire comment? Allez télécharger l'application TapTapSen, mes gens. Parce que j'ai appelé ma marraine de TapTapSen. Je lui ai demandé que, ouais, on a téléchargé. Elle me dit que ma fille, tu n'as que deux téléchargements. Tu n'as que deux téléchargements. Le mois d'août est en train de finir. Hein? Vous voulez qu'on m'insulte, je me suis méta. Mamie, tu es au centre de toute petite villageoise. Mouf dégage. Ouais, maman, j'avais dit ça. Franchement, hein.
Elle est mon. La petite, elle est brûlée. C'est comme ça, elle la bloque une fois. Mettez-les. Elle est mon. Je ne vois pas, elle doit les. C'est comme ça, elle la bloque une fois. Poula, poula, bonjour. Comme ça, elle la bloque une fois. Tu vois, non. Petite ténébreuse, là, elle me... Tu viens m'insulter dans mon direct. Elle t'est bannie, elle te bloque, elle t'est bannie. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Ouais. Allez télécharger l'application Tap Tap Scène, mes gens. Non, ma faux fleur, il avait à bloquer les bêtises. Augmenter le mercure, partageons. Quand on atteint 400 partages, envoyez les cœurs, parce qu'on va framponner aujourd'hui. C'est le grand frère du framponnage. Ce serait le grand frère du framponnement. Le grand frère que je vais faire. Que je vais framponner, mais avec le respect. Partageons le direct. Elle m'a dit que Nicole, tu n'as même pas fait 2 téléchargements le mois-ci. Hein? Comment elle veut faire pour aller à la soirée du 9, non, mes gens? Je suis reçu cuit en guerre. On me dit qu'on n'est pas parti parce qu'elle n'a pas les papiers. Oh, on n'est pas parti parce qu'elle n'a pas payé. Il n'y a personne qui a payé sa table, maman. Je dis que, pardon, allez télécharger l'application Tap Tap Scène. Encouragez-moi. Encouragez-moi à télécharger cette application. Si vous n'encouragez pas, je vais partir comment? Elle vient partir à pied. Donc, vous voulez que moi je bosse encore. Hein? Donc, vous voulez que moi je bosse encore. Donc, vous voulez que moi je bosse encore pour arriver là-bas. Tant pis, je vais bosser non. Mais ce qu'il est souffert en route. Parce qu'au moins, c'est là. Hein? Ce qu'il est souffert en route, si je bosse, merde. Mais si la fortune, j'ai vu que tu as partagé la fortune. Donc, vous voulez que moi, je bosse, maman. Parce que le morgue va m'insulter jusqu'à. Maman. Parce que le morgue, il me guette. Le morgue, là, il me guette, maman. Le morgue, il me guette. Il me guette avec un œil. Il se demande que si on il ne voit pas Nicole là, maman. Comme elle dit toujours que je vais venir à Paris taper les gens là. Comme j'avais fait un slogan que je vais taper les gens, que je vais le taper. Si le morgue ne me voit pas. S'il ne me voit pas là-bas, sur place. Maman, il va faire. Il dit que. Il va me clasher même pendant un an. Pour m'insulter. Il te dit. Donc, encouragez-moi à télécharger l'application TapTapSet. S'il y a la rentrée. Ne partez pas Express Union. Ne partez pas MoneyGram. Venez télécharger l'application. Quand vous allez envoyer l'argent à votre famille pour la rendre des enfants. Téléchargez les 1 euro là. Je vais partir avec ça là-bas. Bonjour. Solange Chabot, bonjour. Rosette Belle, bonjour maman. Comment vous allez? Donc, savez ça, que moi, je vais partir là-bas. Pourquoi ne m'insultez pas sur la toile? Vous êtes quand même les mamans valeureuses. Je ne veux pas que vous partez me payer la table gratuite. Je ne veux pas. Si vous partez me payer la table gratuite, ça encourage la paresse. Vous voyez, non. Je veux que vous téléchargez l'application, soit vous achetez la gamme de l'SM Beauty. Parce qu'on a une représentante en Allemagne. J'attends qu'on atteigne 200 personnes. Qu'on commence. On a le produit pour le visage qui est ça. On a ce produit qui est pour le visage. On a le masque du visage. On a le masque de visage qui est ceci. Vous avez vu? On a le gel de douche qui est ça. Le gel de douche qui sent bon et ça hydrate la peau. Ma paix est déjà finie. Il faut que j'appelle même pour qu'elle m'envoie encore les produits. Vous avez vu non? Qui est ceci? On a maintenant là, le lait hydratant. Ça hydrate. Quand tu as les peaux sèches là, quand tu mets le lait, ça te hydrate la peau. Ça te hydrate énormément la peau, bien même. Je dis que la fortune de go, maman vient. Oui, la fortune de go. Si tu veux que moi je sois à la soirée le jour de la fortune, pardon, viens, va télécharger l'application Tap Tap Scène. Télécharge l'application et tu achètes la gamme. Elle dit que de la soirée, envoie le lien de la gamme, s'il te plaît. Mais la fortune, le numéro est à l'antenne de mon direct. Le numéro de la dame qui vend la gamme, c'est du tissu. C'est à l'antenne de mon direct. Donc, tu l'appelles, non? C'est pour m'encourager. Pourquoi elle vient à ces soirées, non? C'est ça. Encouragez-moi. Si je ne viens pas m'insulter sur Facebook, et je ne veux pas qu'on paye ma table gratuite, je veux qu'on m'encourage avec ce que moi je vends. Hein? Allez commander les vêtements chez Olive Shop. Si vous commandez les vêtements là-bas chez Olive Shop,
d'argent là, ça me permet d'aller à la soirée. Hmm? C'est ça qui est la leçon pour le visage. Non, ça dépend si tu es clair de peau, si tu es noir, parce que pour les peaux noires, elle n'a pas de leçon pour le visage. Elle a que le masque et la crème du visage. Elle a que ça. Elle a le masque et la crème du visage. Elle n'a pas la leçon pour le visage. Je ne sais pas si tu es. Peut-être quand tu es clair de peau, peut-être tu peux avoir ta leçon du visage. Tu vois. Mais pour moi, elle m'a pas donné, elle m'a seulement donné le, ça. La crème pour le visage et le masque. C'est tout. Et le gommage du corps, parce que le gommage aussi, c'est le gommage aussi hydratant, ça hydrate la peau. Par exemple, partager, envoyer les cœurs, que les gens viennent, on commence le direct. Hein? Que les gens viennent, on commence le live. Et la jalousie vous donne un coin sur les réseaux sociaux. Moi, je veux commencer, parce que, vous savez que le père de Marie, quand il rentre comme ça, la jalousie des hommes, il va commencer à dire que ma femme fait quoi sur les réseaux sociaux. Partageons honnêtement, honnêtement 200 et 298 partages, mais c'est petit, mais j'en partageons le direct, mais j'en partageons. Augmenter le mercure, mais de 289 partages. Quand on atteint même 400, on bombarde les choses. Vous savez que la page le partage. Et envoyer les cœurs. Il y a seulement combien? Il y a seulement 57 cœurs. Il y a seulement 57 personnes qui ont liké. Avec plus de 100 personnes en ligne. Bombarder les cœurs là, comme ça les gens vont venir. Bombarder les cœurs, la page est restreinte. Quand vous allez bombarder les cœurs là, les gens vont venir. Parce que quand il n'y a pas les cœurs dans un direct, Facebook se dit que la page, le direct que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en train de les mettre. Si vous ne bombardez, parce qu'on a plus de 100 personnes. Donc si vous ne bombardez pas le live là, Facebook se dit que vous n'êtes pas, le direct ne vous plaît pas. Donc c'est un peu ça. Bombarder les cœurs, mes gens, bombarder les cœurs. Et ils sont en train de signaler. Merci à celle qui m'envoie les cœurs là. Merci à la personne qui envoie les cœurs. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse normalement. Et bombarder les cœurs et partager le tirer des gens. La jalousie vous donne quoi? On est seulement à 289 partages. Mais augmenter le mercure, mes gens, mes mamans. Mes mamans chéries, mes mamans adorées. Mes mamans d'amour. Sans vous, je ne suis rien. 97 partages. Bombarder les cœurs. Bombarder les cœurs ici. Ici là. Bombarder les cœurs ici. Bombarder les cœurs ici. Bombarder les cœurs. Ils sont en train de signaler. Bombarder les cœurs. Bombarder seulement. Le bomba. Le hortique de Jésus. Bonjour. Elvige Loméni. Bonjour. Bombarder les cœurs seulement. La jalousie vous donne quoi? La jalousie des métas vous donne même quoi, non, mes gens? Hein? La jalousie là vous donne même quoi? Hein? J'appuie mon téléphone. La jalousie de méta là vous donne même quoi? Quand une personne organise sa soirée, hein, sur méta, une personne organise sa soirée, vous dites, vous partez écrit que c'est un prêtre, non? Parce que vous ne voulez pas que les gens viennent à la soirée là. Mais c'est méchant. C'est méchant. Vous dites que c'est un prêtre, non. Mais c'est vous qui faites le dire pour vous dire qu'on s'acharne sur l'autre. Vous dites que c'est pas un prêtre, non. Même si c'est un prêtre, non. Est-ce qu'on prête le nom de n'importe qui? Vous qui dites que c'est un prêtre, non. Mais il y a. Vous là qui vous dites que non, c'est un prêtre, non. Ça veut donc dire que vous êtes jaloux et que vous avez une star. Vous avez votre préférence, une star sur la toile que vous aimez aussi. Organisez aussi la soirée, non. Vous mettez aussi sur le nom de la personne que vous aimez. On voit. Vous croyez que c'est tout le monde qu'on prête son nom? Vous croyez que c'est tout le monde qu'on fait le prêtre? Non. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait le prêtre, non. On regarde ta capacité des followers. On regarde ton blog. Votre jalousie à deux balles. Ce n'est pas bien. C'est méchant. Vous voulez pas que les gens partent acheter. Les gens ont acheté la table parce que c'est même déjà fermé. Parce qu'il y a un bouscule même. Si c'est un prénom qu'on vous dit aussi, mais prenons aussi, organisez aussi votre soirée. Vous mettez le nom de la personne aussi que vous aimez sur la toile. Il y a plusieurs stars sur la toile. Hmm? Il y a plusieurs stars sur la toile. Hein? Arrêtez votre haine. Arrêtez votre haine, c'est pas bien. Ce n'est pas bien.
Vous croyez que c'est n'importe qui qu'on fait le prêtre, non? Vous croyez que c'est n'importe qui qu'on fait le prêtre, non? Même vous-même, vous êtes star. Vous faites des directs, non? Vous avez des abonnés, non? Demandez aussi à une de vos abonnés aussi qui organise aussi une soirée, qui prête votre nom à voir. S'il y aura même deux personnes qui vont partir. S'il y aura même deux personnes qui vont partir derrière vous. C'est vous qui faites que le bloc camerounais n'avance pas. C'est vous qui faites que le bloc camerounais n'avance pas. Ce n'est pas bien. C'est la pure jalousie. Et la méchanceté même. Et la méchanceté. Et la pure jalousie et la méchanceté même. Qui vous dérange? Les gens organisent elle organise sa soirée, ça vous dérange pourquoi? Mais organisez pour voir, on voit sur la toile. Bah, les gens qui avaient organisé là-bas l'autre jour, ils avaient organisé l'année passée, ils ont invité le chef Ryan. Bah, le merci du chef Ryan qui se retrouve sur la toile. Son nom est vilipendé partout. Vilipendé partout parce qu'il a voulu aider certaines soeurs camerounaises. Il a dit que non, il va faire la publicité gratuite. Qui va faire la pub gratuite sans rien prendre. Odu, son nom est vilipendé, qu'il est parti. Il est parti à l'hôtel avec 80 présos. Vous mentez sur l'enfant de quelqu'un. Vous qu'on n'a pas prêté le nom. Vous mentez sur l'enfant de quelqu'un. Donc, il ne vous a rien fait. Il vous a tendu la main. Mais son image est bafouée contre vous. Dans les inbox. Vous voulez détruire son image, pourquoi? Mais le seul enfant, le seul est tranquille. Il s'est battu pour avoir sa visibilité. Il s'est battu corps et âme pour avoir sa visibilité. Pourquoi mentir sur lui? C'est la même chose que vous êtes comme ça. Dans ça, il n'y a aucun prêtre nom. C'est la soirée de la mafo. Voilà. Il n'y a aucun prêtre nom. Donc, votre jalousie a deux balles. Votre jalousie a deux balles. Marie, close la porte là, parle de ça, vas-y. Tu as fait le bruit, toi, tu parles à Marie. Parle dedans, parle de ça, vas-y. Vas-y, Marie, ne parle pas de ça, ça va me bloquer le téléphone. Le direct. Il y a une personne là qui dérange ici, là. Je ne vois pas la personne, je sais que la personne a fui. Que la personne a fui, elle a fui, elle est partie, elle a fui. Nicole, il y a les étoiles, non, il y a les étoiles. Il n'y a pas les étoiles. Marie va dedans, elle est en train de travailler, Marie. Mais tu donnes les frères, non. Tu donnes les frères, elle va dedans, elle vient. Tu es en train de travailler, Marie. La personne a fui, elle est partie, elle a fui, elle est partie. Et j'ai dit qu'elle vit sur la jalousie de ça. Je t'ai dit, ce n'est pas un prêtre, non, c'est sa soirée. Et on ne prête pas le nom de n'importe qui. Va dedans, Marie. Si. Attendez, Marie me dérange. Allez, va dedans, Marie, va dedans. Va dedans. L'étoile influenceuse, bonjour. Il y a les étoiles, non, il y a les étoiles. Donc, ce n'est pas un prêtre, non, c'est la méchanceté, la jalousie, c'est sa soirée, ce n'est pas un prêtre, non. Maintenant, on va continuer. Envoyez les queues, mes gens, pardon, s'il vous plaît. La personne est partie, c'est comme ça, elle est partie, son commentaire est parti.
Donc, elle est partie. Elle est effacée. Elle met son commentaire. Elle-même, elle est partie. Je t'ai dit que Marion font. Marion Francis, son âme de la mort, franchement, la jalousie de ça, la honte de ça, franchement, la pure méchanceté, la méchanceté de ça. Il y a combien de partants, on continue. 97 partants, voyez les queues, mes gens. Vous savez que la page est restreinte, je vous jure. Vous savez que la page est restreinte. Donc, il n'y a pas de nom qu'on a prêté. Il n'y a pas le nom qu'on a prêté. C'est la soirée de la mafo. Donc, c'est ça. Vous qui venez pas, parce que vous êtes découragés, les gens n'aiment pas aller, ils n'allaient pas acheter le ticket. Et les gens vont acheter. Donc, et je serai à cette soirée, c'est même si c'est Boza pour entrer, il veut Boza pour arriver. Je serai là-bas. Je serai à cette soirée. Donc, votre jalousie à deux balles là, ça ne passera pas. Arrêtez ça. Cherchez encore un autre truc à parler. Donc, je passe dessus. Bon, maintenant, nous allons parler de Arcel Méril et Kimi. Nous allons parler de Arcel Méril et Kimi. Quand une histoire se retourne sur la toile, j'ai le droit et le devoir de parler. Parce que Kimi, c'est une petite fille que j'apprécie beaucoup. Qui a pris son courage. Elle est venue sur les réseaux sociaux. Elle a prouvé que derrière, tu peux profiter des réseaux sociaux. Elle est venue vendre ses palettes de maquillage. Donc, ce qui se passe entre Lolo Beauté et Aya Robert, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. Moi, je parle de Arcel. Je ne te mens pas, Roselle Belle. Je ne te mens pas, il t'a dit. Donc, moi, je parle de Arcel. Donc, j'ai vu la dernière fois une femme béninoise qui a promis la mort à Lolo Beauté. J'aimerais dire à la dame béninoise que ce n'est pas bien, maman. Ce n'est pas bien de faire ça. Lolo Beauté a le droit de soutenir sa nièce. Avec ce que votre frère a fait. Mais ben, c'était votre enfant. Si c'était que Arcel était votre enfant, si c'était que Kimi était votre enfant et que Arcel faisait ça, je suis sûr de moi que vous n'avez pas, à vous en remettre. Vous n'allez pas vous en remettre. Comment se fait-il que Kimi fait confiance à Arcel? Le gars l'a enregistré. Il a enregistré pour faire quoi avec? Il a enregistré Kimi pour faire quoi avec? Ce n'est pas bien. Donc, ça veut donc dire que si Kimi partait dormir avec Arcel, c'est que Arcel a publié ses photos nues sur les réseaux sociaux. C'est qu'il a publié les photos nues de Kimi sur les réseaux sociaux et ce n'est pas bien. Nous devons soutenir Kimi. Maintenant, Arcel, tu regrettes. Tu ne savais pas que tu devais prendre la pleure. Tu ne savais pas que les gens devaient soutenir Kimi. Tu ne savais pas qu'on devait la soutenir. Ben, c'est une petite fille qui est pieuse. Tu es venu la flatter, elle est tombée amoureuse de toi. Tu l'as utilisé. Tu as sorti un clip. Tu as plus de 10 millions de vues sur Facebook, sur YouTube. Même 100 francs, tu ne l'as pas donné. Mais quand toi, tu as encore voulu utiliser Kimi, quand Lolo Beauté a ouvert ses yeux, elle a dit, le gars, si je vois où tu vas en venir. C'est là maintenant que tu as commencé à te fâcher contre Kimi. Et faire la sortie que tu avais fait là. Et tu ne sais pas que la sortie, elle va se retourner contre toi. Quand il voit, papa verra. Papa verra, vous, un papa comme vous, vous encouragez Arcel d'enregistrer un enfant de 19 ans. Un enfant de 19 ans, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Est-ce que c'est bien comme ça? C'était pourquoi, papa verra. Papa verra, c'était pourquoi. C'était pourquoi. Le but était pourquoi. C'était sur quel but que vous envoyez Arcel d'aller dans la chambre avec Kimi. Il enregistre. Pour venir exposer l'enfant là sur les réseaux sociaux. Non. C'était votre enfant.
qui mettez votre enfant, vous serez content. Non, le buzz est là. Là, on peut parler de ça. Hein. Arcel, c'est lui que même si tu viens, tu dis que non, on laisse, c'est toi qui as commencé, tu ne sais pas que tu m'en pardonnes. Il n'y a pas un pardon qui tient. Il n'y a pas un pardon qui tient, mon frère. Tu as eu affaire à beaucoup de filles dehors. Voilà, Diane Bouli, oh, Dieu vient te soutenir. Elle vient te soutenir. Que non, oh. Hein? Elle vient te soutenir. Pourquoi? Hein? Il n'y a pas de pardon qui tient. Hein? Il n'y a pas de pardon qui tient. Donc, moi, je soutiens Kimi. Donc, Aya Robert, ce que tu as en train de faire là, ce n'est pas bien. Ce que tu fais là, ma soeur, ce n'est pas bien. Kimi est notre petite soeur. On doit la soutenir. Laisse tes guéguets que tu avais avec Lolo Beauté. Nous devons soutenir Kimi parce que Arsène n'est pas bien. Il avait les mauvaises intentions derrière Kimi. Il avait les mauvaises intentions derrière cette fille. Et là, ça a cuit sur lui. Il a vu qu'il est en train de perdre en visibilité sur TikTok. Il est maintenant obligé de revenir en arrière pour demander pardon à Kimi. Pour qu'ils se remettent ensemble pour continuer la telenovelas. Alors que la petite Kimi est restée, elle était dans ces choses sur TikTok. C'est lui-même qui est venu pour coller son image à elle pour avoir la visibilité en Côte d'Ivoire. Il a vendu le rêve. Il n'a pas de petite fille. Il n'a pas de copine. Non, 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 non. Il aime Kimi. Il a fait semblant d'être jaloux. Et quand il a vu la petite fille, elle est tombée. Poup. C'est là maintenant qu'il somme. Il dit que non. Qu'il avait sa copine. Qu'il avait une copine quelque part. Aïe, Robert, toi-même, tu vois que c'est normal quand tu viens soutenir Arcel. Ou le soutenir un enfant qui se débrouille. Parce que Kimi est venu montrer sur Facebook que non. Avec Facebook, on peut vendre beaucoup de choses. Elle a vendu son image sur TikTok. Et qu'elle a TikTok, elle a plus de 1 million, elle a plus de 5000 personnes qui la regardent. C'est là, dit que quand Kimi n'a pas gagné sur TikTok, elle a au moins 3000 euros. Parce que les gens l'envoient les chapeaux, beaucoup de choses. Tout le temps, on envoie beaucoup de choses. Mais toi, avec ça, Aya, tu es jalouse. Pourquoi? Ce n'est pas bien. Soutenons Kimi. C'est une petite fille de 19 ans. Soutenons-la. Heureusement qu'elle a une tante qui est forte, qui est Lolo Beauté. Qui l'a soutenue. Et c'est même Lolo Beauté qui a ouvert les yeux parce que Arcel voulait encore, il l'utilisait encore pour une deuxième fois. Et ce n'est pas bien. Donc c'est ça que moi je voulais parler aujourd'hui que Kimi, tu as tout mon soutien. Ne te réconcilie plus avec ce gars d'Arcel. Ne te mets plus avec lui. Même si papa verra avec toi que vous vous reconciliez, tu dis non. Que Arcel prend sa route. Tu dis que Arcel prend sa route. Toi, tu restes. Tu te mets une place. Tu vas avancer, ma mère, ma fille, ma chérie. J'aime ton courage. J'aime ta façon de vendre tes produits. Oh, mon Dieu. J'aime ta façon de vendre tes produits. Tu ne blagues pas. Tu es vraiment une vraie professionnelle, Kimi. Il te dit, grâce à toi, beaucoup de jeunes filles vont prendre ton exemple. Tu as prouvé sur les réseaux sociaux que non. Avec Facebook, tu peux t'en sortir. Maman Rossel, bonjour. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Beaucoup de courage à toi, Kimi. Ne laisse plus ce gars s'approcher de toi. Tu peux même bloquer tout le clan de Arcel là. Avec les papas virales là, tous ces gens-là, tous ces papas qui étaient à côté, ils ne t'ont jamais aimé. Parce que voir un monsieur demander à Arcel d'enregistrer un enfant de 19 ans, c'était pour quel but, papa viral? C'était pour quel but d'enregistrer un enfant de 19 ans? C'était pour quel but, papa viral? C'était pour quel but? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'était pour quel but? Moi, j'ai mal au cœur. J'ai une petite fille. Heureusement que l'enfant était intelligent. Qu'elle n'est même pas partie. Qu'elle n'a même pas cédé. C'était pour faire le chantage à son père. Pour lui prendre énormément d'argent. C'était pour ça. Donc, Kimi, ma petite soeur, continue ton combat seul.
continue à vendre tes palettes de maquillage. C'est grâce à ça que tu as eu les abonnés. C'est grâce à ça que beaucoup de ces mamans que nous, tes grandes soeurs, on t'a aimé dans TikTok. Que nous sommes abonnés à ta page. Parce que tu as prouvé qu'on n'est pas dans TikTok pour clasher. Parce qu'il y a les vieilles mamans là-bas, les vieilles femmes là TikTok qui passent le temps à clasher. Mais ils ne vendent pas, ils ne savent pas qu'on peut vendre même les produits. Donc, ils sont seulement là que pour on les donne gratuit. Mais toi, tu viens de dire que non. Idiot, papa Mara, et non, papa Mara. C'est même si ça, c'est un, c'est. Je vais te bannir, tu vas me regarder. C'est grâce à ça qu'on t'a connu. Tu n'es pas venu à TikTok, venir faire les lives, clasher pour qu'on te donne le cadeau gratuit. Tu as dit que non, tu peux vendre un produit. Tu as commencé à vendre ta palette. Tu as persisté dans ça. C'est lui qui est venu coller son image à toi. Parce qu'il a su que non, que tu avais quelque chose en toi. Que tu avais un aura en toi. Oh, il s'est calé dans son cou. Il sait plus ce qu'il va faire. Il a fait plus de. Il fait les diètes. Il te dit que non, je parle. Et qu'il te pose une question. Qu'il ne tombe plus derrière ce petit. Ne tombe plus derrière Arcel. Laisse-le partir. Pardon, ma chérie. Nous, on t'aime beaucoup. Ne tombe plus. Si je ne peux pas faire le diète sur TikTok pour te dire. Parce que ma page TikTok est bloquée. Ce que je vais faire le direct pour. Je vais faire le direct pour te soutenir à TikTok. C'est pour ça que moi, je viens sur Facebook pour te soutenir. Je vais tout te soutenir. Je te soutiendrai toujours. Il faut dire grâce, Dieu merci, que tu as une tante qui est Lolo Beauté. Qui te soutient avec amour. Ne regarde pas ce que les gens disent. Parce qu'il veut cogner les têtes. Parce qu'il veut vous cogner les têtes. Et moi, j'ai compris ça. Quelqu'un veut me dire en morcière. Parce que j'ai compris ça. Qu'on veut vous cogner les têtes. Lolo Beauté t'aime vraiment. Elle prend de son temps pour te défendre. Elle prend de son temps pour te défendre. Donc ma chérie, beaucoup de courage à toi. Ne laisse pas quelqu'un venir te dérouter dans le chemin que tu as en train de faire. C'est plus important. Bon, je passe maintenant. Il y a trop de cogneurs de tête sur cette terre. Il te dit que maman, il y a trop de cogneurs de tête. Maintenant, je passe sur ça. Il y a parlé de qui, mais je passe maintenant dessus. Il y a combien de partages? Il doit faire que je parle de ça. C'est une petite fille que moi, je soutiens beaucoup sur TikTok. Il va falloir que moi, je parle de ça. Je vais parler de ça pour dire que non. Il y a les gars ici qui ont les mauvaises intentions. Un gars comme Axel, 27 ans, qu'on croyait qu'avec son visage est dangereux, mais c'est un dangereux. Il a enregistré un enfant de 19 ans. Il balance sur TikTok. Tu n'as même pas honte. Après, tu viens dire que non, que tu avais une copine. Mais quand tu as commencé à draguer Kimi, tu n'avais pas de copine. Maintenant, comme tu as vu que Lolo Beauté a vu ton jeu. Tu viens dire que non, j'avais une copine. Non, quelle copine? Tu n'avais jamais de copine, Arsène Meryl. Tu n'avais pas de copine. Tu n'avais pas de copine. Tu voulais utiliser l'enfant de truie. Mais Dieu t'a vu. Kimi, c'est un enfant béni. Et sa mère veille sur elle. Et sa mère va continuer à veiller sur Kimi jusqu'à l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je passe maintenant sur toi, Arcel. Maintenant, on va prendre... Vous voyez mes chers frères et sœurs. Il y a trop la jalousie sur les réseaux sociaux. Trop la jalousie. J'avais commencé à faire les diètes ici là. Ma première nom était Nicole Cabellon. Pourquoi j'ai changé ce nom? Parce que le jour que maman Pépé avait eu ses problèmes avec son ex, tonton Achille, et qu'ils se sont séparés. Et maman Pépé était en guerre avec Pipi. Maintenant, qu'est-ce que Pipi est parti prendre l'est de maman Pépé pour venir, pour qu'il vienne expliquer le problème de couple à cœur ouvert. J'ai eu mal, ça m'a énervé. Dit que, mais comment une femme qui est censée soutenir la femme, que son ex a battu une personne, hein? Pourquoi prendre cet homme? Même tu as les petits guéguets avec
ta consoeur sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le droit d'aller prendre une personne, son ex, pour qu'il vienne à cœur ouvert, pour venir saler la réputation de son ex-copine. Ça m'a tellement énervé que j'avais fait un direct dessus. J'ai dit que non, tu ne mérites pas la page à cœur ouvert. J'ai pris cette... J'ai changé de nom, j'ai dit que à cœur ouvert de Nicole. Que tout le monde a validé, ma foi a validé, ma paix a validé. Parce que tout le monde, même les blogueurs ont validé cette page. Mais la personne qui dit que soi-disant qu'elle, c'est elle qui est venue avec un concept, ok, elle a pris ça dans TikTok, elle a pris ça à Google. Qu'elle a pris cette page à Google. Quand moi j'ai pris ça, elle se parlait dans tous les directs, elle m'insultait. Comment je suis une voleuse de page? Que c'est elle qui est venue avec la page là? Wow. Parce que ça l'énerve que c'est moi qui a copié cette page. Ils ont failli signaler ma page. Ils ont failli pirater ma page. Comme tout le temps, ils sont en train de, ils signalent ma page, ce n'est même pas bon. Ma page, même moi-même, j'ai lancé le direct aujourd'hui, j'ai senti ça parce que je n'ai pas reçu la notification de ma page. Je n'ai pas reçu que non. Quand on dit que Nicole, que tu es en direct là, tu reçois la notification. Moi, je n'ai pas reçu la notification là. J'ai compris que, tu vois comment ça fait, ça dandine. J'ai compris que le signalement et le taille, même si ça avait deux personnes, Nicole, que tu vas rester dans Facebook. Le signalement et le taille. Elle partait dans les directs, elle me signalait, elle racontait que oh, on a volé à cœur ouvert et tout. Maintenant là, hein, voilà Yaka de Paris. Il a créé une émission à cœur ouvert. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Jusqu'à Yvi Doro est passé dans son émission, hein. Yvi Doro était la première personne à passer dans l'émission de Yaka de Paris. Il a créé une émission à cœur ouvert. Il a Abidjan. Hein. Il a Abidjan. Il dit que qu'est-ce que vous faites pour parler de ça? C'est pour vous dire que ce n'est pas vous les seules personnes qui avaient à cœur ouvert. À cœur ouvert, c'est un concept. C'est dans Google. Ça parle des faits de société. Ça parle de la souffrance de la femme. Ça parle de la souffrance des enfants. Tout le monde a le droit de prendre même toi-même qui te plains que non, c'est toi qui es venu avec le contenu à cœur ouvert. Tu n'es pas la seule personne qui est venue avec à cœur ouvert. Toi-même, tu as pris ça à Google. Avant que toi-même, tu aies à cœur ouvert, les gens avaient déjà pris ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que la personne qui avait sorti à cœur ouvert, est-ce qu'elle m'a dit que Yaka, pourquoi tu as pris à cœur ouvert? Non. Parce que la personne a dit que tout le monde a le droit de prendre à cœur ouvert. Pourquoi venir me signaler ma page? Pourquoi aller dans les directs pour dire que oh, elle a volé mon concept, oh, je suis venu avec un concept, c'est moi qui ai sorti un concept, quel concept tu as sorti? Allez, vous avez, bah, Yaka, et aussi, je suis sûr de moi que pour Yaka va marcher. Parce que je suis sûr de moi que pour lui va marcher. Yvi Doro, il ne s'entendait pas avec Yvi Doro. Yaka ne s'entendait pas avec Yvi Doro. Mais il a invité les partis. Ils ont laissé leur guéguet. Il a invité, Yvi Doro est parti. Tu es venu ici sur Facebook. Quand mon papa m'a invité sur sa page pour que je raconte mon histoire de Bosa, alors que toi tu étais censé m'inviter. Mais tu as eu mal. Tu as demandé que pourquoi il m'a invité. Donc c'est lui qui m'encourage à t'insulter. Ce n'était pas ça. Voilà. Ce qu'on dit que la Côte d'Ivoire nous dépassait. Après Facebook, la guerre, ce n'est pas. Le game n'est pas la guerre. Il y a un temps pour faire le game. Il y a un temps pour faire les bonnes réalisations. On m'a envoyé le direct là. De Yaka avec Yvi Doro. Je suis tombé des nues. Un beau life. À cœur ouvert de Yaka. Hein? Je vois celle-là. Ton général, elle fait le direct. Elle a seulement mis comment? Donc, elle a seulement mis. Donc, c'était moi. Moi-ci. Que vous avez vu que non, c'est moi que vous avez venu signaler ma page. Hein? Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous-même vous êtes. Donc c'est moi, Nicole Ketcha. Donc moi, je n'ai pas le droit de prendre à cœur ouvert. Hein? Maintenant, comme Yaka, comme vous savez que non, vous ne pouvez pas les Ivoiriens. Comme vous savez que vous ne pouvez pas les Ivoiriens. Tu fais le dire, tu mets comme ça là. Pour prouver au monde entier que non. Ta patronne, c'est elle qui a sorti à cœur ouvert. Si c'est elle qui a sorti à cœur, pourquoi vous êtes venu me signaler? Pourquoi vous signalez ma page jusqu'à maintenant? Jusqu'à il y avait une femme qui était venue en Ivoire, me dit que Nicole, tu dois enlever à cœur ouvert de deux.
de pipi. Tu vas mettre un autre comme c'est pourquoi? C'est depuis ce jour-là que ma page a commencé à dandiner. Même les étoiles, je n'ai plus les étoiles. Même le truc, les publicités, moi je n'ai plus les publicités parce qu'on me signale. Hein? Parce que vous voulez que nous on pas rester au quartier. Hein? Parce que vous voulez que nous on pas rester au quartier, vous me signalez tout le temps pourquoi? Ce n'est pas bien. Alors si vous apprenez à Yaka Yaka, si vous êtes King Kong, allez vous apprendre aussi à Yaka Yaka, non? Demandez-le que pourquoi vous avez pris ma page Yaka ouvert. Donc c'est moi, que vous avez vu que vous avez venu signaler. Mais quand même la dame qui a canne dans sa page, c'est à... Tu as vu? Donc c'était juste la jalousie. Tu vois, c'était juste la jalousie envers moi. La méchanceté envers moi. C'était juste la jalousie. Hein? C'était juste la jalousie envers moi. C'est tout. Vraiment, Marion Franck, ça appartient à personne. Maman, elle dit, comme tu dis, elle avait pris ça où? Hein? Elle-même, elle avait pris ça où? C'est la question qu'il faut se poser. Hein? C'est la question qu'il faut se poser. Toi-même, tu avais pris ça où? La page là. C'est ça. Donc, ça, elle dit, allez maintenant. Si vous avez des gens, si vous avez un King Kong, allez aussi signer la page, le truc de Yaka Yaka, qui a mis Yaka ouvert. Parce que moi, son émission va prendre. Hein. Il dit que la manière que ça prend de l'emploi là, ne restez pas pleurer sur Meta. Ça va prendre son émission là, à cœur ouvert là. À cœur ouvert, c'est les causes sociales. À cœur ouvert, c'est les causes sociales. Et je suis sûr que ça va prendre. Il dit que on va parler de Yaka Yaka, même à TV5, même à TF1. Il dit que vraiment, comme ils passent le temps à signaler là, non. Eux, ils passent le temps à signaler les gens. Vous passez le temps à signaler, vous signalez. Vous signalez les gens. Ce n'est pas bien. Donc, c'est ça qu'on m'avait parlé, que je ne suis plus votre ennemi. Allez maintenant combattre avec Yaka Yaka. Déposez ma page tranquille. Allez là-bas. Allez aussi là-bas, signaler aussi. Comme tu as dit ça, c'est quelqu'un dans tête, toi qui a cœur ouvert. Donc, allez là-bas aussi signaler. Venez plus de ma page. Elle a lancé la campagne de signalement chez... Ouais, vous voyez comment vous êtes. Apprenez à être fair play. Apprenez à être fair play. C'est vraiment lâche de votre part. Hein. C'est vraiment lâche de votre part. C'est ce que vous avez tenté de faire. C'est lâche de votre part. Vous passez le temps à signaler les gens. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi faire ça? Pour décourager. Si on vous laisse Facebook, vous allez vous en sortir. Si on vous laisse Facebook, vous allez vous en sortir. Regardez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes blogueurs. En Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes blogueurs. Qui s'en sort, n'importe qui a sa place sur Facebook. Hein. N'importe qui fait ses vues sur Meta. C'est ça. Doreen Tilon, c'est bonjour. Maman, envoyez les cœurs, mes gens. Envoyez les cœurs, papa. Envoyez les cœurs, pardon. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, mes gens. Hein? Il y a beaucoup de blogueurs en Côte d'Ivoire. Beaucoup de blogueurs. Ici, dans le bloc camerounais, il y a qui? Il n'y a même pas 50 jeunes qui font dans le blogging. Donc, apprenez à laisser les pages des gens.
N'oubliez pas d'aider notre petit frère Thierry, toi qui as agressé au Cameroun. Envoyez-le même ses 10 euros, même ses 20 euros, même ses 15 euros. Envoyez l'argent. Il est agressé. Le Cameroun est dur. C'est l'argent de la réunion des gens. Encourageons-le. C'est un petit qui fait les vidéos. Hein? Il fait les vidéos pour s'en sortir. Il se débrouille. Et j'aimerais dire aux Camerounais que ne mettez plus l'argent à Orange Money. Ce n'est pas un compte bancaire. Orange Money n'est pas un compte bancaire. Allez poser votre argent. C'est à Express Union. Il y a la banque au Cameroun, non? Pourquoi vous gardez l'argent à Orange Money? Parce que Orange Money, quand le bandit t'arrête, quand le bandit t'agresse, quand il prend nettement ton téléphone, il va regarder, il va voir que tu as Orange Money. Il passe, mais il retire l'argent, là, c'est fini. Tu as perdu. Orange Money n'est pas une banque. Apprenez à garder votre argent à la banque au Cameroun. Merci pour les partages, mes gens. Merci beaucoup pour tous ceux qui partagent, qui envoient les cœurs dans mes directs. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Merci. Merci beaucoup. Et envoyez les cœurs. Le maximum des cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, ça serait même plus bon. Encouragez votre soeur. Il y a les étoiles. Envoyez même deux. Moi, j'aurai deux jours d'absence sur Facebook. Envoie même les étoiles, mes gens. Même ces 2 euros d'étoiles, c'est beaucoup, Nicole, que tu apprends. Même ces 2 euros d'étoiles, Nicole, que tu apprends. Aura, ça ne chauffe pas. Je prends. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je ne vous dois rien. Mon continent, bonjour. Comment tu vas, ma mère? Donc, je ne vous dois rien. Je ne signalerai jamais la part de quelqu'un parce que je ne suis pas responsable. Je vais pas aller dire qu'il va aller me mettre quelque part pour qu'on... Je vais pas aller mettre quelque part pour qu'il va aller me mettre pour qu'on signale la part de qui que qu'on... Tu signales ma part, tu vas rendre compte à Dieu. C'est tout. Parce que moi, je ne me mettais jamais pour qu'on pas signaler ta page. Mais laissez la part des gens. Regarde le blog, ils voient ça évolue plus que pour nous. Mais chez nous, ils sont au Cameroun. Notre blog n'évolue pas. Parce que vous ne voulez pas voir telle personne faire ses lives. Tout le monde a le droit de faire les directs. Et n'importe qui a sa cote de popularité sur Facebook. C'est tout. Donc c'est un peu ça. Envoyez les cœurs, mes gens. Patou Adama, bonjour. Comment tu vas, ma chérie? Merci. Bonjour. Comment tu vas, ma mère? Merci beaucoup. Merci de ton partage. Merci beaucoup. Merci. Hortense Makouch, bonjour. Merci de m'envoyer les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne sert à rien de faire la jalousie sur la soirée de quelqu'un. La soirée, là, c'est pour ma faute. Ce n'est pas qu'on a dit que c'est un prêtre, non. C'est pour ma faute. Ce n'est pas un prêtre, non. C'est sa soirée à elle. Donc laissez votre jalousie. Si vous aimez trop votre star, faites aussi une soirée, non, vous mettez son nom. Vous mettez son nom à l'affiche, non. On fait le concours de ça. C'est ça qu'on fait pour faire le bubble, non. Faites aussi, organisez aussi votre soirée. Vous mettez aussi le nom de la personne. Maman Lili, merci pour tes cœurs, Maman Lili. Si c'est elle, c'est tout le monde qu'on prête le nom. C'est pas tout le monde qu'on fait le prêtre, non. Organisez aussi la soirée, non. Vous mettez aussi le nom de votre star. Vous faites aussi un prêtre, non. On va voir aussi si la personne va aussi amener les clients ou amener les followers à cette soirée. C'est ça. Donc arrêtez de faire le racontage partout que oh, c'est le prêtre. Non, ce n'est pas bon. C'est pour saboter, pour décourager les gens à partir à cette soirée. Vous devez être même fier. Vous devez même être fier et encouragé. Vous devez être fier et encouragé. Hein?
C'est l'Afrique qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez être fiers et encouragés. Aura. Est-ce que je mens? Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Maman, envoie-moi les étoiles, mes gens. Ouais. Maman, envoie-moi. Il n'y a pas les étoiles, mes gens. Envoie-moi les étoiles. Mais c'est vendredi, maman. Je vais faire 2 jours sans venir sur Facebook. Le week-end, c'est moi à la maison. Je vais aussi regarder le direct, mais c'est dans TikTok. Vous savez que moi, j'ai maintenant allé dans TikTok. Et abonnez-vous à ma page TikTok, Nicole Chap. J'ai vu beaucoup de gens qui sont abonnés ici. Non. Ne vous abonnez pas ici. Ne vous abonnez pas dans le TikTok-ci. Nicole Chap. C'est ma page TikTok. Quand on atteint même 1000 abonnés là-bas, chaque soir, on va faire nos directs. On prend le Japap du Cameroun, on part. Parce qu'apparemment, ma cible est maintenant que sur TikTok. Elle fait les lives à TikTok là-bas maintenant. Nous, on peut aussi à TikTok là faire les directs. Les directs du Japap. Ça serait trop mou. Abonnez-vous à ma nouvelle page de TikTok, Nicole Chap. J'ai vu le métier FDSA assez abonné à ma page, à ma nouvelle page de TikTok. Abonnez-vous à ma nouvelle page de TikTok, je vous en supplie. On va commencer à faire nos directs aussi là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons partir aussi partout. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Maman Clarisse, bonjour. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs. Merci. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse énormément. Envoyez-moi les cœurs, pardon. Comme ça, Facebook saura que non. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. C'est-à-dire que Facebook saura que non. Le direct que je suis en train de parler là. Le direct là vous intéresse vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un peu ça. Donc, Facebook saura que le direct, si je suis en train de parler là, le direct là est bien, ça vous intéresse. C'est ça que vous envoyez les cœurs. Parce que quand on fait le direct, s'il n'y a pas les cœurs, Facebook saura que non. Le direct que j'ai fait là, ça n'a pas d'impact sur vous. C'est pour ça. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci. C'est ça que je dis, non. C'est ça que je dis, non, Francine. C'est pour ça que je suis en train de parler, non. C'est pour ça, Francine. Ça, je suis en train de dire que même si c'est un prêtre, non, pourquoi vous le faites aussi pour votre star? Même si c'est un prêtre, non, pourquoi aussi vous le faites aussi pour votre star? Faites aussi un prêtre, non, pour elle aussi. Organisez la soirée. Vous faites aussi le prêtre, non, pour votre star. Comme ça, on voit. Le numéro est épinglé là, c'est pour Thierry, toi. Donc, c'est pour les gens qui vont l'aider, non. Comme il a été agressé au Cameroun, là, on l'a agressé, on a plein de la tontine dans le taxi, non. J'ai aussi mis le numéro là pour qu'on le soutienne. Même c'est 10 euros, même c'est 20 euros, même c'est n'importe quoi, même vous l'envoyez, non, pour qu'il puisse rembourser l'argent de la réunion. C'est pour ça que moi, j'ai demandé qu'il mette son numéro pour s'il y a les gens de bonne volonté qui pourra l'aider. S'il y a les hommes, s'il y a les âmes de bonne volonté, non, qui pourra l'aider. Qu'on l'aide. Vous voyez un peu, non, qu'on l'aide. Parce qu'il était agressé. C'est un petit qui s'est débrouillé au Cameroun. Donc, c'est ma façon à moi de l'aider. Vous voyez, merci mon continent pour les cœurs, merci beaucoup pour tes cœurs, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, merci, merci. Encouragez-moi à sécuriser ma page avec les cœurs. Marie-Valérie, bonjour maman, Nicole, bonjour, bonjour maman Valérie, bonjour maman, merci beaucoup pour tes cœurs, encouragez-moi pour les cœurs. F.E. Mafoshou, bonjour, bonjour maman, bonjour. Encouragez-moi, ouais, comment vous envoyez les cœurs. Alors, quand vous envoyez les cœurs, ça fait que ça revient. Il est parti avec combien? Je ne sais pas combien là, on l'a agressé. Il n'a pas dit. Hein. Il a seulement dit qu'on l'a agressé dans le taxi. On l'a pris là, dans la réunion. Donc, il a fait un live, il s'est mis à pleurer là-bas. J'ai eu pitié de lui. J'ai décidé de le soutenir à ma façon. Donc, je ne sais pas combien on a pris. Donc, il n'a pas dit le montant. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas le montant. Il n'a pas dit le montant. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Merci Nathalie Paco pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci, envoyez-moi les cœurs, pardon. Je vous en supplie. C'est ça qui sécurise la page à cœur ouvert. Quand il y a les cœurs, la page est sécurisée. Anne Flore, bonjour. Merci, quand il y a les cœurs, la page est sécurisée.
Donc, pense que j'ai. C'était juste ça. Merci pour les partages. 342 partages. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour les partages. Merci, merci. Merci. Merci de me soutenir. Merci de me soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je ne cesserai de vous remercier pour les partages que vous me faites. Quand je suis en direct, vous partagez mon live à mon niveau, à votre niveau. Vous n'êtes pas obligé de partager. Parce que quand vous partagez, parce que vous tenez à moi, vous m'estimez. Je vous dis un grand merci. Je vous envoie énormément de cœur, beaucoup de cœur à vous. Beaucoup le Seigneur et que le Seigneur réunisse votre famille. Que tout ce que vous demandez à Dieu, non, qu'il vous donne. Que ne perdez pas la foi. Si moi je suis ici, c'est parce que moi j'ai jamais perdu la foi. Je n'ai jamais perdu la foi. Et c'est grâce à vous. C'est vous qui m'avez donné cette force-là. De tenir mon bloc jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Énormément. Énormément. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Énormément. Et beaucoup de choses dans votre vie. Donc, pour ceux qui disent que Nicole et moi, je cherche un modérateur. Pour ma page. Parce que les gens me critiquent beaucoup. Et j'ai peur de prendre un modérateur demain. Et la personne peut partir avec ma page. C'est pour ça. Parce que quand je fais un post, on dit que non, Nicole, tu as mal écrit. Ce n'est pas moi qui fais. Parce que j'ai l'enfant. Je m'occupe de Marie. Je m'occupe de Marie. Donc quand j'ai une idée en tête, je viens seulement, je copie, j'écris. Tu vois, pour ne pas perdre le fil d'actualité. Parce que si j'oublie d'écrire, et moi je vais oublier. C'est pour ça que moi, je viens directement, j'écris directement sans m'en rendre compte. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas encore de modérateur. Mais je suis en train de chercher un bon modérateur qui sera sur ma page. Que c'est lui qui va écrire mes textes, c'est lui qui va faire tout. Vous savez que sur Facebook, il faut seulement se méfier. Tu vois, quelqu'un peut me dire, il est bien. Après, tu prends le modérateur. Là. Un matin, tu lèves que ta page est partie. Tu fais comment? Tu sais encore bien d'écrire encore une autre page pour avoir encore les 14 000 abonnés que j'ai là. C'est beaucoup. Oh, ne vous manque pas. C'est beaucoup. C'est trop de travail. C'est trop de travail. Phébi Patience, bonjour. Nicole, il faut voir avec ton frère au pays. Ce que tu dis là, c'est vrai. Tu sais que mes petits faut au pays, eux, ils travaillent, n'ont pas le temps. Tu vois, mes petits faut au pays, eux, ils travaillent, ils n'ont pas le temps. Tu vois un peu, non? Donc, je vais pas là. Un jour, Dieu m'a envoyé quelqu'un, un bon modérateur, que je pourrais mettre sur ma page, que c'est lui qui va m'aider à faire beaucoup de choses. Je vais te voir bien, Marie, qui doit de travailler, maman. Envoie-moi le test à niveau de couleur, ça, après tu postes. Tu peux être modérateur sur ta page. Tu peux être modérateur comment? Hein? Je suis déjà administrateur de. Moi, sur ma part, je suis administrateur. Tu me dis comment je peux être modérateur comment? On peut être modérateur et administrateur en même temps. Je cherche un modérateur, ma mère. Voilà, pas besoin de mettre un modérateur. Envoie-moi le test à Nibé pour la correction. Après, tu postes. Ok, j'ai compris. Désormais, si elle oublie pas, désormais qu'elle va faire un test, je vais t'envoyer à Nibé. Comme ça, tu vas m'aider, tu vas poster, puis je vais copier, mettre sur la page. Donc, c'est un peu ça. Elle dit qu'elle peut pas. Merci, merci Bila, merci beaucoup. Je ne manquerai pas, merci, merci. Merci du soutien, il ne manquerait pas. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas de toi. Ok. Info. Ok, j'ai compris. Donc, je cherche quelqu'un qui va me dire que c'est un modérateur de ma page. Donc, si elle trouve la personne. Non, elle dit qu'elle peut pas. Elle dit qu'elle peut être le modérateur de ma page. Non, hey! Je connais qu'il sort d'où, maman. Je connais que même ma Afrique Info sort d'où, maman. Je peux dire que je peux faire le travail que tu veux. Pourquoi tu veux? Non. Il faut que t'étudies d'abord bien même, maman. Parce que ma page est là. Il faut que t'étudies d'abord bien même. Pour voir si tu peux être modérateur de ma page. C'est pour ça. Merci Francine, tranquille. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Parce que vous voyez, non. C'est pour ça que je n'ai pas de quelqu'un qui peut
qui peut faire le test type pour moi. Donc, je vais chercher un bon modérateur qui va faire un test pour moi. Celui qui va copier le test et puis... tu me comprends, non? C'est ça. Pour avoir quelqu'un, et pour avoir un modérateur de ma page, il faut quelqu'un de confiance. Il faut quelqu'un de confiance. Je ne vous mens pas. Donc, j'ai retenu à vous dire que tous ceux qui me critiquent, quand je copie un test là, ne me critiquez pas. Je ne vous mens pas. Donc, le moment viendra. On aura quelqu'un qui va copier, qui va bien faire les jolis tests, qui va améliorer la page. Donc, je suis en train de chercher. Je cherche vraiment. Tu vois, non? Parce que je suis seule sur ma page. Donc, la personne qui a monétisé ma page, la grande dame qui a monétisé ma page, elle-même n'a même pas le temps. Tu veux un peu, non? Donc, on est en train de chercher une personne. Donc, ça va. Donc, ne vous dérangez pas. Donc, ne vous dérangez pas. Donc, même si ce n'est pas cette année, l'année prochaine. Il y a aussi des applications pour modifier le test. Comme ça, hein? Ok, il y a compris. Donc, il me faut télécharger l'application là. Je vais télécharger l'application là. Ça peut t'aider. Ok, Afrique Info. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais télécharger l'application là. Je vais télécharger ça. Maman de l'Amiando, bonjour. Comment tu vas, ma mère chérie? Maman de l'Amiando, tu viens que Yafia a fini mon live. Donc, je pars moi déjà. Je ne pas déjà. Tu viens que a fini mon direct. Donc, je suis en train de taper les divers par rapport au modérateur. Donc, c'est pour dire que ça ne va pas. Ça va. Donc, c'est pour dire que je vais. Même l'année prochaine, on va trouver un bon modérateur. Donc, pour le moment, si je vais faire à mon niveau. Tu vois, non? Quand je vais faire un test, je vais aller voir la personne en niveau. La personne va faire Nicolas, reste seul pour le moment et utilise l'application pour ça. Ok, on va Clarisse. Donc, si quelqu'un a l'application, là, il m'envoie un inbox. Comme ça, je vais télécharger l'application là, non. Comme ça, je vais écrire. Je vais seulement copier et mettre sur ma page. Donc, n'oubliez pas d'aller payer les perruques chez Maman Dolé Miondo. Apparemment, Maman Dolé Miondo a ouvert un magasin, a ouvert son entreprise de perruques. Donc, elle vend les perruques. Encourageons-nous vivants. Donc, encourageons maman, ça parle, c'est Nicole Ndolé Miondo officielle. Donc, j'ai vu, elle vend les très belles perruques. Donc, allez l'encourager à vendre ses perruques. Allez l'encourager, allez acheter ses perruques. Donc, allez regarder sa page, vous regardez les perruques qu'elle vend. Passez des commandes de perruques chez elle. Donc, elle vend aussi des très bonnes perruques. Cette dame Nicole, c'est dans Nicole est tellement humble et compréhensible, mon Dieu. Merci mon continent, merci beaucoup. Nicole, certaines fautes, tu peux les corriger toi-même en lisant avant. C'est vrai, Marthe ma faute. Je dis que c'est vrai, maman. C'est dit que c'est vrai comme tu dis là. Je peux faire, mais d'apparaître, ma mère. La paresse. Je te dis que, mais je vais m'améliorer. Ça veut dire à vous que non. Ne vous fâchez pas de parce que voir les gens me disent que non, Nicole. Tu ne mérites plus faire les faux tests. Tu ne mérites plus venir. Tu ne mérites plus venir copier. Tu ne mérites plus donc. Tu n'es plus à ce niveau de venir faire les faux tests. Il faut quand même respecter tes abonnés. C'est ça que vous tenez à vous dire que ne vous fâchez pas contre moi. Je vais m'améliorer grâce à vous. Ne vous fâchez pas contre moi. Je vous comprends. Vous voulez que j'évolue pour tout. Je vous comprends. Je vous comprends. Ne vous fâchez pas contre moi. Ma fille, tu pars où? Tu laisses malheureusement que. Maman Lili. Tu sais que quand le père de bientôt père Marie va arriver, donc j'aime d'avoir fait le direct tard. Donc, Maman m'appelle là, non, il m'a reclashé. Maman, il m'a dit, tu sais que c'est les vacances, maman, tu sais que j'avais dit que pour commencer le. Tu sais que c'est les vacances, non. Donc, c'est à partir du 4, lundi, il va commencer à me déchaîner sur les ténébreux. Donc, comme c'est les vacances, là, le père Marie est là, donc. Je n'ai pas voulu monter mon côté obscur. Donc, c'est vrai que tu me vois, je vagabonde un peu partout pour parler. Tu vois, parce qu'il peut arriver un moment à l'autre là. Il voit comment je suis en train de parler fort, ce n'est pas bon. Donc, j'aime quand elle peut être décrétée, ou ce qu'elle va aller au-delà de ça, qu'elle est au travail. Quand elle m'assoit bien, je finis avec les ténèbres. Pour le moment, maman Pépé sur eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout à l'heure à 17, allez connectez-vous chez maman Pépé et partagez maximum le direct. Parce qu'elle a dit qu'il y a eu trahison chez les pipi mania. Donc, elle a sorti la photo de pipi avec les chaussures. Elle a sorti la photo de pipi avec les chaussures. Elle a sorti Raven Binda avec son cousin. Parce que, bien, c'est même pas. Elle a mis la photo de Raven Binda et son cousin. Elle a mis la robe de pipi avec les chaussures de pipi. Maman Pipi, regarde. Pipi, regarde. Regarde, pipi, regarde, maman. Non.
La chaussure de pipi, c'était la chaussure de la chaussure des grands-mères. Même les grands-mères qui sont abarantées ne portent plus déjà les chaussures pour aller à une soirée, maman. Ne portent plus déjà les chaussures pour aller à cette soirée. Donc, c'est un peu ça, maman Lili. Toi, tu disais, non, c'est que c'est les vacances. Le père de Marie est là. Donc, je ne peux pas me déchaîner pour le moment. Donc, quand la rentrée commence le 4. Donc, il va commencer le bon travail le 4 là. Donc, je vais m'asseoir maintenant sur eux, maintenant décrypter maintenant tout ce qui se passe sur Facebook. Donc, je viens maintenant entretenir mes followers. Tu vois un peu, non, c'est un peu ça. Donc, si Malos m'a comment insulté. Donc, si Malos m'a comment insulté, je garde ça, je garde les bas de Malos m'a que en septembre. Parce que c'est en septembre que les vraies choses vont commencer. Donc, pour moi, plus au moins, je suis en congé, je suis en vacances. Donc, c'est en septembre que les vraies choses vont commencer. Donc, plus au moins, je me repose, je me rends belle. Maman, plus au moins, maman, n'oubliez pas de télécharger l'application TapTap Saint mes gens. N'oubliez pas de commander la gamme Saint Beauty. Si vous voulez me voir la soirée, maman, ne fais pas que Malone m'insulte sur Facebook. Parce qu'il va m'insulter. Parce qu'il a dit qu'il me guette. Comme Nico tout le temps dit que non, je vais partir à Paris. On va voir s'il va mettre ses pieds là-bas. C'est que Malone m'a que a dit. Oh. C'est qu'il lui me l'a dit. Donc, maman, pardon, encouragez-moi. Oh. Ne fais pas que Malone m'a que me souille. Ne donnez pas la honte à Malos Marque pour qu'il vienne m'insulter. Donc, allez télécharger l'application TapTap 5. Mais Jean, pardon, pour que le 1 euro là, parce qu'il n'y a pas encore de table, maman. Il n'y a encore rien. Mais je ne veux pas qu'on me donne la table gratuite. J'aime pas le gratuit. J'aime travailler à la sueur de mon fond. Donc, c'est pour ça que vous dites encouragez-moi à commander la gamme Saint Beauty. Et à télécharger l'application TapTap, c'est tout le monde le dit. Et dit que maman Lili, comme tu dis là, il te dit donc tout le monde le 9 décembre, c'est de ça qu'il s'agit. Donc on est pas pour dire que les gens qui ont fait les prêtres, non, maman, on n'est pas dedans. On sait que non, c'est ça, c'est pour ma faute. C'est la soirée de ça à guichet fermé. Donc malheureusement, que attends-moi en décembre, malheureusement que. Donc, je serai en décembre à Paris. Si Dieu le veut, si seulement les followers m'aident à acheter, à télécharger l'application TapTap Saint, c'est de ça qu'il s'agit. Si on m'aide, s'il y a les vacances, si un mes followers qui m'aiment et qui télécharge l'application Bio 237, c'est ça qui va me permettre d'aller à cette soirée. Du coup, on va prendre une table pour nous. Ouais, même de l'émission, il n'y a pas de soucis, ma maman. Maman, de l'émission, il n'y a pas l'argent au nom de ma mère chérie. Je suis ta fille à la maison, maman. Ta fille à la maison. Si tu prends la table, il me faut que tu contribues, non, maman, de l'émion d'or. Si il faut que tu veux contribuer à ta table, ma mère, il faut que les gens m'encouragent à aller déjà l'application TapTap 5 et commander la gamme Saint Beauty. C'est ça qu'il s'agit. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ma mère. Maman de l'émion d'or, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Au moins, comme ça, malheureusement, que les m'insultes pas sur mes tas. Parce que je suis de moi qu'en janvier, là, il va finir avec moi en janvier. Maman Lili a déjà pris sa table, non? Je sais, maman, je ne connais pas moi. Est-ce que maman Lili a pris sa table? Moi, je ne sais pas. Si maman Lili a pris sa table, parce qu'on ne connaît pas moi. Elle ne m'a pas dit, oh, maman Lili ne m'a rien dit. Mais ma foi a dit qu'on t'a offert une table. Comment offert une table? Moi, ma mère Solange et dit moi, je ne sais pas si on m'a offert une table. Moi, je ne connais pas moi. Je ne sais pas moi si on m'a offert une table. Comme ça, je vais voir ma copine, maman Lili. Maman Lili, c'est là. Elle serait là, chez Anos. Donc, tous les télébois qui veulent voir maman Lili là, maman Lili, c'est là en décembre. Elle serait là le 9 décembre, chez Anos. Elle serait là. Maman Lili serait là. Elle serait bien là-haut. Donc, ils seront là en chien à nos. Donc, allez commander votre table et payer le ticket. De l'émission, on doit prendre deux tables pour elle. Maman Julia Aubert, c'est comment dans ma mère chérie? Donc, c'est un peu ça. Encouragez-moi, mes gens. Qu'est-ce qu'il dit? C'est comment ma mère chérie? Il y a une maman milliardaire qui t'a pris une table.
Qu'est-ce qu'il dit quand maman, regarde, moi, c'est pas moi. Hein. Peut-être c'est une surprise. Maman, c'est que moi, je n'ai pas l'état. On m'a encore rien dit. Donc, il ne connaît rien. Donc, on m'a encore rien dit. Ils ont promis une table, mais ce n'est pas encore. Tu as vu, non? Voilà, maman lui dit. C'est que maman lui dit, c'est moi. Donc, je ne connais rien. Je ne sais pas. Si on est en train d'organiser quelque chose derrière mon dos, si mes mamans sont en train d'organiser un truc de beau derrière mon dos, je ne connais rien, maman. Je sais que moi, je vais compter déjà l'application TapTap parce que moi, je ne connais encore rien. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Je ne connais rien, maman. Je ne connais rien. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je ne connais encore rien, maman. Je ne sais pas moi. Peut-être ils sont en train d'organiser un truc derrière mon dos. Moi, je ne connais rien. C'est que moi, je n'ai pas de table. Je n'ai moi rien. Je n'ai pas mal de table. Encore rien. Je n'ai pas mal de table. Donc, aidez-moi. Ma Lili veut monter. Ma Lili, moi, tu laves un peu ma lance, ma queue, maman. Lave un peu. Là, monte, tu laves ma queue. Lave-le. Maman, Lili, monte un peu, tu laves ma lance, ma queue. Maman, Lili, t'es comment, non? Maman, Lili, moi, je te vois. Hein? Bonjour, ma fille. Oui, bonjour, maman, Lili, t'es comment? Ça va. Mm-hmm. Maman, tu es belle, mon bébé. Merci, maman. J'aime te voir comme ça. Merci. Tu es belle, mon trésor. Tu es trop belle. J'ai dit, hein, maman, vous êtes là que ma fille va partir sans même une étoile. Maman, je t'ai dit. Okay, Julia Robes, mamie Organe. Maman, je fais deux. Je vais pas faire le direct demain, dimanche. Deux jours sans faire le live. Je vais faire le direct. Envoyez même 200 étoiles, non, les amis. Motivez votre fille. Motivez-la. Je dit, maman Lili. Elle ne fait pas les lives tout le temps. Envoyez les étoiles. Oh, maintenant, je suis libre. J'étais occupée là. Ma copine Dolé Miondo. Ma copine Dolé Miondo. On va se voir ce jour-là. Oh, ah. Ma lance, ma queue veut me voir. Il vient ce jour-là, tellement il est amoureux de moi. Ah, maman, il est amoureux de toi jusqu'à. Ma lance, ma queue. Maman, les gens qui sont jaloux, oh, ce n'est pas le nom de ma faute. Maman, on peut choisir n'importe qui. Maman, pour représenter. Hein? On peut choisir n'importe qui. Allez aussi pour qu'on vous choisisse, non? Maman, on a pris. Ça dit que la femme qui représente cette soirée-là, du 9-là, ça vous pionce où? Ça vous fait mal où? La maman. Jalousie. Allez aussi pour qu'on vous choisisse. Allez aussi pour qu'on prête votre nom. La jalousie de ça. Oh, ce n'est pas elle. Oh, c'est un prête-nom. Oh, on connaît. Oh, on ne veut pas dévoiler. Oh, dévoiler. Dévoiler. Mm-hmm. Dévoiler la personne. Pourquoi vous cacher? Maman, ils vont bien. Ils vont dévoiler la personne. Non, la personne. Tout ça, dévoiler. Tu vois, la personne. Ils vont dévoiler la personne. Vous n'allez pas détruire. Vous voyez comment les tables partent comme ça. Poum, 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 poum. Maman. Les tables partent. Le cœur, votre cœur, le gourmand de ça. Le neuf là va seulement ce que se fait. Et le jour là, Paris va parler. Paris va trembler. Et t'es dit, maman Didi. La Didi. Terre va faire boum 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 boum. Maman. Ça va trembler. Parce que, ouais, qui m'appelle, non? C'est maintenant que je suis en train de parler qu'on m'appelle. Oh, ma fille, envoyez les cœurs. Envoyez les étoiles à votre fille. Julia Robes. Tu es là. Parce que ma foi a dit, maman Lili, il va falloir être, hein, chercher les gardiens. Les gens qui vont faire la sécurité. Les gens qui vont faire la sécurité. J'ai dit Julia Robes, elle est là, oh. Elle va faire la sécurité. Mamie, allô. Regarde, tu es là. Allô.
Oui, maman Clarisse, maman Clarisse est là. Bon, je vous laisse, j'ai un coup de fil là. Oh là là. Ok. Allô. Ok, maman Clarisse. Envoyez les cœurs. Bonjour à tout le monde. Donc, bonjour, maman Clarisse. Merci pour tous ceux qui font la publicité de notre 09 d'exam. Merci pour tout, même si ce n'est pas, si on a volé le nom ou bien c'est, on a pris ma foi pour mettre dedans, devant. Il faut qu'on prend aussi les images. Bien sûr. Rien ne marche pas avec pour mettre qu'on voit si on va acheter les tables. Ils ont essayé de pas aller dans les petits petits, on les met dans les chabas. Ils croient qu'ils peuvent prendre une table quelque part. Donc on les maman. On prend les noms. Tout le monde a le nom, non? Pourquoi maintenant ils sont en train de forcer d'aller dans les soirées, c'est dans le Shabbat qu'on les met. On ne les respecte même pas. Ils deviennent maintenant les impresario. Donc ne vous dérange même pas. On a dit que Mafo n'est pas son fils. Mafo n'est pas les meubles. Mafo n'a rien. La maison de sa maman n'est pas. Demain, on nous dit que le nom de Flo n'est pas Flo. Ce n'est pas son nom. Donc on n'est pas choqué de tout ce qu'on dit que ce n'est pas pour elle. Mais on refuse chaque jour, mais Dieu, on mente. Donc, il faut qu'ils refusent, même ils disent que c'est pour quelqu'un d'autre. Et on va toujours acheter les tables. C'est la publicité qu'ils font. Donc, merci pour toutes les publicités négatives. Puisqu'on entendait, au fur et à mesure qu'ils parlent, les gens pas chercher à savoir pourquoi Mafo. On a utilisé le nom de Mafo. C'est comme ça qu'on achète des tables. Donc, laissez-moi. Donc, ils vont toujours, merci pour les publicités négatives qui nous donnent les tables de plus. Les gens achètent. Donc, pour rectification, pour tous ceux qui disent comme, Nikon n'a pas encore une table. Nous tous, on était ici sur la toile quand on avait promis une table à Nicole. C'est pour ça que Mafo aussi dit que la dame qui avait promis une table aussi, c'était juste une alerte pour que la dame aussi pense à ça parce que les tables sont en train de finir. Donc pour l'instant, Nicole n'a pas encore une table parce qu'il y avait une dame qui avait promis de donner une table à Nicole. Donc c'est ça qu'on attend aussi, ce n'est pas qu'on a encore acheté. Donc pour ceux qui ont aussi l'intention, ceux qui peuvent aussi donner cette promesse aussi et les faire aussi le même geste, on attend aussi. Il faut que les gens comprennent. Donc, il ne faut pas qu'ils prennent la définition de ce que ma femme avait dit à une autre manière. Nous tous, on était sur la toile avec Nicole quand on avait promis tout ça et c'est ce qu'on attend aussi pour voir. Donc, n'hésitez pas de joindre ou bien assister Nicole. Pour si, aussi. Merci pour les 50 étoiles. Merci beaucoup. Merci pour la personne qui m'a envoyé 50 étoiles, maman. Il y a que j'ai parti sans avoir les étoiles, maman. Et merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. C'est tout ce que je voulais aussi rectifier par rapport à ça. Merci pour toutes les publicités négatives. Après, le nom de Mafo, ce n'est pas pour elle. Après, c'est ce qu'on va nous dire maintenant là. Parce que les camarades des gens qui volent le nom de FDL, ils sont toujours derrière eux pour supporter que c'était pour le nom Flo. Ces camarades ont volé ça, ils ont supporté ça. Donc, même si ce n'est pas pour Flo, l'occasion, ça, on va rester avec elle. Matin, midi, ça, on est toujours avec elle. Si c'est son image qu'on a utilisée, on est avec elle. Parce que si on a utilisé l'image de Flo, mais c'est petit pays qui va, maintenant, on va nous dire que c'est l'occasion de petit pays qui va venir, ce n'est pas petit pays. Ils vont refuser que ce n'est même pas petit pays. Ils vont toujours dire, mais on sera toujours là. Donc, ça n'échauffe pas. Donc, Nicole, courage pour ton live. Je suis un peu occupée. Je voulais juste rectifier l'histoire de ta table. On n'a pas encore eu le table. On attend. Ok, maman. Et ça? Oh, merci pour les 300 de temps, maman. Merci beaucoup. Merci pour les 300 étoiles, maman. Merci. Merci pour la personne qui m'a envoyé 300 étoiles. Que le Seigneur m'atta ma foi. Merci beaucoup, maman chérie. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Que le Seigneur te bénisse pour les 300 étoiles que tu m'as envoyé, maman. Merci. Merci de m'encourager. Au moins, je vais partir comme ça que moi j'ai mes 300 étoiles. Même d'ici deux jours. Je vais partir en week-end. Parce que mon week-end, c'était sur TikTok. Je m'avais un peu rincé mes yeux là-bas sur TikTok. Abonnez-vous à ma nouvelle page sur TikTok, si maman. Voyez, c'est ici. Les gens parlent de s'abonner à l'ancien TikTok. Je ne veux pas l'ancien là. Abonnez-vous à ma nouvelle page de TikTok. On va commencer à faire les directs là-bas. D'abord, on va commencer à faire nos lives. Voyez, c'est ici. Abonnez-vous. Assiste. Les gens partent s'abonner sur l'ancien. Moi, je ne veux pas l'ancien là. Regardez, vous voyez, nous, assiste ici. Voilà, ici. Nicole Chap. Voilà ça. Fait les captures d'écran. Donc, on va au moins 6000 abonnés là-bas, pardon. On va commencer à faire mes directs, mes lives là-bas. Donc, vous voyez, nous, regardez. Vous voyez. Parce que ma nouvelle page de TikTok,
Ancien TikTok, Facebook, TikTok, ils m'ont banni. Donc, ils ont décidé qu'ils faisaient plaidier là-bas. Donc, je suis déjà à 163 abonnés. Donc, si vous partez, vous augmentez, vous êtes plus à 100. Si les 100 personnes partent déjà sont abonnées, ça va faire 200. Donc, si peut-être avant la fin de septembre que j'atteins 1000 abonnés, je peux commencer à faire mes directs là-bas. Parce que ce qui fait parce que moi, je ne fais pas les vidéos tous les jours. Je peux faire les vidéos deux fois par semaine. Donc, c'est une habitude des vidéos. Il y a 1000 abonnés. Je ne fais pas les vidéos tous les jours. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner à ma page TikTok. On va commencer aussi à faire nos lives là-bas. Donc, merci à la dame qui m'a envoyé les 300 étoiles. Que le Seigneur te bénisse, ma mère chérie. Au moins, je vais partir. Au moins, je vais faire mes deux jours. 400. Au moins, j'ai mes 300 étoiles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tous les jours. Quand tu reçois. Tu dis Dieu merci, tu prends, tu embrasses avec joie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui ont partagé 379. S'il te plaît, ma chérie, arrange ton rouge à lèvres. Je n'arrange pas. Mon rouge à lèvres va faire comme ma mère. Hé, maman, je suis en train de partir, non? Hein? Reine Gerbe. Mon rouge a fait comme ma mère, chérie. Je suis déjà en train de partir, ma mère. Bientôt, ils vont dire que ma Anna n'est pas sa mère. Il a dit que Niki Balafi, il a dit vraiment, il a dit, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Bientôt, ils vont dire ça. C'est comme ça qu'ils sont. Et puis, il est en train de partir. Elle dit que mon rouge a monté. Elle fait mes lecteurs pour me flatter. Au coup, c'est une ténèbre. Ça fait quoi? J'ai fait une heure de direct. C'est normal que mon rouge a déjà parti. Je me trouve en rêve. Je me trouve que quelqu'un va venir porter le rouge à lèvres mat. Moi, je suis comme ça. Moi, je fais pas ce que je fais, ce qui a mis à mes poches. Je ne vais jamais vous vendre le rouge. Vous attendez de moi là que je vais venir avec un habit de marque. Avec peut-être un rouge à lèvres de marque. Mon seul fond de teint sur le fond de teint. J'ai serré le cœur, j'ai payé 45 euros. Parce qu'il fallait améliorer mon visage. Mais pour vous dire que vous avez quoi, que vous venez avec un rouge à lèvres mat, soit venir avec un habit qui couche, non. Je porte ce qu'il y a à mon nom, je suis fière de ça. Allez, voilà. Ici, là, je ne vends pas le rêve à la jeunesse. Je porte ce qu'il y a à mon nom, je suis fière. Je n'ai jamais prêté l'habit de quelqu'un au quartier. Il y a mes copines du quartier qui me regardent. Même la brésilienne, avant de partir en aventure, j'ai laissé ma brésilienne. La brésilienne, ma mère, est toujours ça sur sa tête jusqu'à aujourd'hui. Je peux avoir le croquant, pas. J'ai mes habits. Je n'ai jamais prêté la chose de quelqu'un au Cameroun pour porter. C'était ma part. Même les filles, même la perruque, même la brésilienne, c'était ma part. Parce que quand elle partait, il y avait mes mamans qui vendaient des perruques. Oui, indiennes à Aqua Palace, là-bas, des Paris dansés. Je partais prendre. J'étais une revendeuse. Je pars, je prends, je revends. S'il y a 10 000, je peux coter les 10 000 là. Je paye ma part avec, je porte. Comment ici? Je paye mes sacs à main. On machine couloir lundi et le jeudi. Tu vas parler, vous êtes toujours dit, allez au machine couloir à 6h, à 5h30, 6h. Tu vas voir le sac MS. Le sac Louis Vuitton, les bons sacs, les sacs boutiques. Et ça, tu vois que les gars là prennent ça, ils partent vendre ça à Bonapriso. Les gars qui se baladent à Bonapriso là. Moi, j'ai fait, je connais qu'est-ce que Bonapriso. Et ils prennent ça, ils mettent dans les grands magasins à Bonapriso. Ils vendent les sacs à 100 000, 50 000, 200 000. Mais c'est ça qu'on a fait pour le marché pour nous. Donc, le sang, ça peut être à 20 000, 10 000, 15 000. Tu attends, papa. Tu es en train de parler, Marie. Diana Machou, bonjour, maman. Tu es bon arrivée. Tu es en train de partir, tu es venu en retard. Donc, c'est un peu ça. Donc, je fais ce qui est à mon niveau. Ce n'est pas parce que je ne peux pas faire. Je suis fière de ce que je suis. Donc, rouge à lèvres, ça qui est à mon niveau. Donc, si vous mettez les rouges à lèvres de 100 euros, c'est pour ça que tu vois les gens, les blogueurs, bon, ils vous vendent le rêve. Vous partez, voilà les gens, voilà les petites qui dessus. Ça rejoint à Yaoundé. Tu es obligé de sortir avec un pied, obligé de sortir avec un homme. Demain, je vais te faire un café demain. Tu es obligé de sortir avec un homme. Après, demain, on compare telle fille est morte. C'est pour ça. C'est ça qu'on vous vend le rêve. Non, moi, je suis fier. Je dors paisiblement. Je ne réfléchis pas que non, il faut que demain, je vais mettre tel truc pour aller porter la maladie. Quand je dis aux gens mon
Non, les gens sont fiers. Est-ce que quand elle dit que j'étais large, on ne croit même pas. Parce que je préserve mon... Je ne fais pas la saleté. Donc, je vous laisse à l'un. Marie, non, dors. Bon. Non, j'ai parlé de Kim et Axel, donc je passe au camp en Côte d'Ivoire. Et vous, le mari me dérange.